Ouais, alors le cinéma de montagne, euh, peut-être que ça n'est pas un genre en soi, hein, mais que la montagne au cinéma, en tout cas, c'est présent euh, dans beaucoup, beaucoup de films. Euh, D'abord les frères Lumière hein, chez nous. Euh, les, la fin du, du 19e, hein, 1898-99, 1900, les frères Lumière filment la mer de glace, ils filment en Suisse, etc. Ce sont des, des séquences, hein, voire des plans-séquences, on ne peut pas véritablement parler de film. En 1906, il y a Joseph Vallot, euh, le scientifique, qui monte au sommet du Mont Blanc, qui fait un petit film de 6 minutes, 1906. Bon, vraiment, le film aboutit, je dirais, euh, le, le premier en tout cas chez nous, il me semble que c'est Max Linder. Euh, Max Linder, 1910. Qui va à Chamonix avec des opérateurs, avec deux caméras, avec des comédiens et euh, qui tourne des films euh, éclatants, hein, d'humour. Euh, Max et sa belle-mère, par exemple. Voilà, alors c'est des films qui sont très courts, euh, c'est des films qui tournent autour d'un de, de, quart d'heure, non plus. Et, et il a le génie, en fait, euh, d'utiliser le paysage et d'utiliser la neige. Bon, Max et sa belle-mère, on peut dire en trois mots hein, ce que c'est euh, euh, comme scénario. C'est un, un couple, bah, Max et sa jeune fiancée, euh, qui partent en voyage de noces. Mais la belle-mère est avec eux. Et bien sûr, euh, elle est très encombrante. Hein, donc, on va lui faire faire du patin à glace, on va lui faire faire du ski, on va lui faire faire de la luge. On vient tout ce qu'il faut pour l'occuper et pour éventuellement euh, s'en débarrasser. Euh, ça a eu un succès formidable et ça a même entraîné un boom touristique à Chamonix. Ça, c'est 1910. Et puis, dans des films qui vont devenir alors plus tragiques et plus dramatiques, dans les grands films, on peut citer Abel Gans, avec La roue d'Abel Gans. Alors là, on n'est plus dans des courts-métrages, puisque le film qui sortira va faire 9 heures. Euh, il tourne entre 1920 et 1923 Les, le tournage dure très très longtemps tout simplement parce que sa femme est malade de la phtisie galopante et euh, on pense que pour la soigner lui, il lui faut le bon air de la montagne donc il s'attarde très longtemps dans la montagne avec euh, un assistant euh, euh, qu'on n'attend pas qui est Blesse Sandrard et évidemment euh, Blesse Sandrard euh, et Abel Gans on imagine l'équipe de choc euh, et ravageuse que ça peut faire. Quand ils arrivent au col de Vos, par exemple, ils rasent directement l'ancienne gare sans rien demander à personne. Euh, ils retirent les poteaux télégraphiques parce que ça les gêne dans le paysage. Ensuite, ils emmènent toute leur équipe jusqu'au refuge des Grands Mulets. Le Réhéroïne Norma tombe dans une crevasse. Enfin, c'est un, un, un film gigantesque. Alors, surtout du point de vue cinématographique, c'est. Euh, Plein d'innovations comme Abel Gans pouvait les faire, bien entendu, avec tous les phénomènes de surimpression, d'accélération, d'éclair-obscur exceptionnel. Et je pense que ça pourra aussi servir de référence à ce que va devenir, quelques années plus tard, le Bergfilm allemand. Alors là, le Bergfilm allemand, on peut dire que c'est vraiment le fondateur de, de, du film de montagne ou du film à la montagne, puisque Abel Gans est venu là presque par hasard. Euh, même s'il a merveilleusement utilisé euh, les sites et le paysage. alors qu'arnold fanck est un homme de la montagne, qui croit à la montagne, qui euh, embauche des athlètes, des alpinistes, des guides, euh, il prend louis trenke par exemple pour la montagne sacrée. et bien sûr, leni riefenstahl, dont on sait qu'elle a été euh, euh, sa grande vedette, euh, une actrice formidable, une danseuse remarquable, qui va tout apprendre du cinéma euh, d'Arnold Funk pour hélas le mettre au service d'Hitler. Il n'empêche que la Montagne sacrée, qui est un film de 1926, c'est un film qui est vraiment fondateur de euh, tout ce qu'on va pouvoir euh, faire sur le plan scénaristique, par exemple, c'est-à-dire euh, la montagne comme lieu de résolution des conflits, comme euh, du conflit amoureux notamment, hein. euh, par exemple. Euh, le, le scénario de, de Fred Zinnman, 5 euh, euh, jours ce printemps-là, euh, n'est pas, pas très différent, on va dire, de la grande rivalité qu'il y a entre le champion de ski euh, d'Arnold Funk et euh, Karl, euh, qui est loué, joué par Louis Strenke, euh, et qui est lui un guide, mais un guide euh, euh, taciturne, etc. Et les deux s'affrontent jusqu'à la mort pour euh, les beaux yeux de la belle Diotima. Bon, ça ne se termine pas beaucoup mieux pour Lambert Wilson dans 5 euh, jours, ce printemps-là. Euh, et puis, sur le plan purement euh, cinématographique, par exemple, le montage, euh, on voit que sa façon de filmer les courses à ski, c'est vraiment la manière qui va être, être reprise en suite par, euh, par exemple, Loelouch-Regenbach dans 13 jours, ce printemps-là, ou euh, Les Neiges euh, euh, de Grenoble, euh, le film de Langpin avec Jacques Hertaud sur les Jeux Olympiques de 1968. On, on, on sent véritablement que à partir du Bergfilm allemand, euh, Tempête sur le Mont Blanc, fait aussi par Alden Frank hein, en 1930, à partir de là, on va véritablement avoir euh, une vision assez nietzschéenne de la montagne. Oui, alors bien sûr, on, on parle beaucoup de ce cinéma de fiction un peu fondateur de, du cinéma de montagne. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'en parallèle, on a aussi euh, les documentaires, voire des grands documentaires. Là, je crois qu'on ne peut pas éviter de faire un petit tour par, le, euh, par les Anglais. Euh, parce que, évidemment, ce sont eux qui, les premiers, vont essayer de tenter l'Everest, notamment. Avec un, un réalisateur assez étonnant. Qui est euh, un peu un aventurier, John Noël, euh, qui est très inventif, qui invente euh, des caméras légères, des téléobjectifs, qui retravaille le matériel, qui réussit aussi à le conditionner pour la haute altitude et pour le froid. Et John Noël, sans avoir une, ni une grande culture cinématographique ni ethnographique, c'est un esprit curieux, extraordinaire. Et dans les films de 1924-1928, euh, on a énormément, énormément de détails ethnographiques extrêmement intéressants sur lesquels, au fond, euh, il ne s'engage pas. Il est, euh, il est sans jugement. Euh, il ne cherche pas euh, ni à valoriser, ni à dévaloriser. Euh, mais il exprime sa curiosité. Et il a une façon formidable de montrer, de montrer les cérémonies religieuses, de montrer la paysannerie, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui. Et il ne centre pas ses films assez curieusement sur les chefs d'expédition ou sur les alpinistes eux-mêmes. Oui, ils sont là aussi, mais ce n'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs, si on reprend le film de euh, 1956 sur la, euh, la 53, pardon, sur la conquête de l'Everest euh, qui a été fait euh, par les Anglais donc l'aventure d'Hillary et Tensing après euh, l'aventure malheureuse de 1928 de Mallory et Irvine dont les dernières images vers le, à plus de 8000 mètres seront faites grâce au téléobjectif euh, de John Noel et bien si on reprend ce film de 1953 eh bien, on s'aperçoit qu'il y a exactement le même type de respect pour les populations. Jamais on n'a su qui était arrivé le premier au sommet de l'Everest. Est-ce que vous le savez vous Je ne pense pas. <laughs> euh, on ne sait pas si c'est euh, euh, Hillary ou si c'est Einstein. Ils n'ont jamais voulu le dire. Ils, on, ils considèrent qu'ils sont arrivés ensemble et que c'est un travail qu'ils ont fait ensemble. Euh, et ça, c'est tout à fait euh, remarquable. D'un cinéma euh, anglais euh, qui est respectueux et curieux des pays dans lesquels il va. Hélas, <laughs> je suis désolé, <laughs> hélas, c'est pas la même chose de l'école française. On a quand même un film qui est beaucoup plus, chez les Français, à caractère colonial, voire néocolonial. Bon, on a ce film euh, Karakoram. Fondateur un peu du cinéma euh, français du point de vue du documentaire himalayen, fait par Marcel Ichac, 1934, chef d'expédition Henri de Ségogne, avec sur la tête le casque colonial, qui a une pochette blanche à la veste pour embaucher les porteurs. On est dans une sorte de, de regard qui est presque tout le temps un regard un petit peu ironique sur ces porteurs qui ont peur euh, euh, des torrents, euh, euh, qui euh, cherchent à avoir une charge qui est la moins lourde possible, alors, et qui sont dans l'ignorance que euh, ça a été pesé à l'avance et que c'est pas le volume de la charge qui fait son poids. Et on se moque d'eux, en fait. Très souvent, très souvent, il y a une dévalorisation des populations. Dans le film Karakoram, on ne sait pas d'ailleurs euh, vraiment qui sont les Sherpas, d'où ils viennent. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils font une chute de plusieurs centaines de mètres et que c'est grâce au cinéaste euh, qui va les ramasser en miettes en bas qu'ils resteront en vie. Il y a quelque chose dans tout cela qui est un peu, aujourd'hui, un peu gênant, même si on le remet dans un contexte. Ça, c'est 1934. En fait, l'équipe de, de va former autour de lui une sorte d'école, finalement, de, de, de cinéastes, euh, sans l'avoir véritablement voulu, mais il prend des assistants qui sont plus jeunes que lui, des gens qu'il va former. Il y a Jean-Jacques Langpin, Gigi, alors euh, euh, ils ont 18 ans d'écart. Hein. Il y a Jacques Artaud, qui a le même âge que Langepin, qui a aussi 18 ans d'écart avec, euh, avec Mata, puisque tout le monde appelle... Euh, vous c'est une équipe de copains. Ça, c'est le côté qui est vraiment sympathique. Quoi. Euh, et puis, une relation quand même de transmission du savoir. C'est certain que Langpin a fait l'école Louis-Lumière. Bon, euh, évidemment, il a une formation au cinéma. Mais comme cadreur, mais comme réalisateur, il va évidemment beaucoup apprendre d'Ichak. C'est évident. Jacques Artaud aussi. Et je dirais... Presque tant mieux. Les élèves dépassent le maître à un moment donné. Et euh, Langpin va faire les films sur le Groenland, co-signé d'ailleurs euh, certains avec Ishak, Terre de glace qui est uniquement euh, signé euh, Languepin, mais avec des images dans lesquelles il y a à la fois des images de Mario Marais, de Samivel, d'Ishak, etc. Euh, mais c'est lui qui euh, agit en tant que réalisateur, mais tout de même sous la houlette de Paul-Émile Victor. Et Polémique Victor, ça n'est pas rien. <laughs> on peut dire que c'est véritablement lui qui, sur le plan du fond, du film, euh, du contenu, c'est lui qui va finalement décider véritablement de ce que sera le film. Mais il a la chance de pouvoir reposer sur des cadreurs, dont euh, Languepin, et sur un réalisateur qui. Euh, a des connaissances cinématographiques pour avoir des, lui proposer des plans qui sont toujours superbes euh, et qui sont très informatifs c'est ce dont on a besoin tout de même dans ce type de documentaire euh, d'avoir une alternance de plans serrés euh, qui montrent vraiment l'action de plans larges qui montrent les paysages et ça c'est effectivement très réussi dans, euh, à l'assaut de l'Himalaya bon on a quand même quelques moments il faut bien le dire qui reste des scories, peut-être de l'influence d'Ishak, sur la façon de considérer les porteurs. Bon, on ne peut qu'être choqué à un moment donné quand il y a Gevril qui les secoue pour les remettre en marche. Il euh, y a aussi pas mal d'alpinocentrisme, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, c'est comme si la nature se donnait à eux. Alors dans le texte, on va dire qu'à un moment donné, euh, euh, les gazelles vont leur faire, leur offrir un véritable balai. Euh. Bon, en tout cas, ce, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a avec euh, longpain un euh, très grand cadreur. D'ailleurs, dans des écrits qui sont ceux notamment de Jacques Artaud, Jacques Artaud nous dit ⁇ J'ai jamais osé lui dire que tu aurais été un formidable directeur de la photo. Il aurait considéré, évidemment, comme réalisateur que ça réduisait un petit peu son rôle. Mais c'est vrai, il faut le dire, c'était un formidable directeur de la photo. Et bon, cette école Louis-Lumière, tout de même, elle nous a donné des cinéastes de montagne assez étonnants. Fred Zinman, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, cinq jours ce printemps-là, euh, Denis Ducrot, Laurent Chevalier, donc tous ces gens sont sortis de l'école Louis-Lumière et avec leur, euh, leur talent, je dirais, de, de cadreur, leur connaissance de, de l'image, leur sensibilité aux lumières, une, une certaine façon aussi, un certain regard euh, qui, est, qui est un, un, un regard euh, bienveillant. Sur le monde qui les entoure, à la fois curieux et bienveillant, un peu à la John Noël hein, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, euh, ils vont offrir des films qui, cette fois-ci, sortent complètement de euh, cette thématique un peu néocoloniale et un peu nationaliste qui correspondait, bon, il faut bien le dire, à, à un juste avant-guerre ou à un entre-deux-guerres et juste après-guerre. Et on se doute bien qu'il euh, y, y avait une sorte de nécessité euh, d'être les acteurs de pays qui étaient en train de se reconstruire. D'ailleurs, vous passez un film dans, le, dans À l'Aventure qui est euh, euh, 4 ans en 10 minutes et où on voit le premier Serbe qui a gravi l'Everest avec tout ce qu'il va déployer au sommet euh, parce qu'évidemment, euh, euh, il espère aussi euh, pouvoir. Euh, imprimer euh, la fierté d'une nation sur un très haut sommet bon ce qui est toujours assez dangereux hein, puisque on sait que c'est comme ça que huit femmes sont mortes au sommet du pic Lénine huit femmes soviétiques d'une expédition soviétique elles sont mortes les unes après les autres en 1974 euh, précisément parce que peut-être que l'idéologie euh, était euh, plus forte que la prudence qu'il aurait fallu avoir à ce moment là Oui, en, en 1955 donc euh, euh, quatre ans en fait après l'expédition le, à la nanda devi euh, jean-jacques Langpin a écrit himalaya passion cruelle évidemment passion cruelle puisque deux d'entre eux hein, ne sont pas revenus euh, roger euh, duplat et gilbert vigne et Roger Duplat, qui était chef d'expédition et qui était aussi euh, l'ami euh, de Jean-Jacques Lanquepin. C'était une expédition lyonnaise hein, du Club Alpin de Lyon, soutenue par la Fédération Française de la Montagne. C'était la troisième euh, grande expédition nationale en Himalaya, après euh, bah, Karakoram ou Eden Peak, qui est le Gasherbrum 1, euh, après victoire sur euh, la Napurna. Le premier 8000 gravi euh, par Exog et la Chenal. Et puis, euh, cette tentative d'aller faire la Nanda Devi à 7800 mètres et surtout de euh, traverser d'un sommet de la Nanda Devi à l'autre, hein, puisque euh, la Nanda Devi porte deux sommets. Et c'est au cours de la traversée que euh, la cordée euh, du plat-vigne euh, a disparu et n'est pas redescendue. Bon, une petite parenthèse sur les qualités euh, d'alpiniste de Jean-Jacques Bon, c'est évident que s'il a, euh, a été choisi pour, pour partir là-bas, c'est qu'on le connaissait sur le plan euh, sportif et, 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 je dirais, alpinistique, entre guillemets. Bon, il faisait partie euh, de l'équipe des Blozards, hein, les gens qui s'entraînent euh, sur les rochers de Fontainebleau. Euh, qui finissent par avoir un excellent niveau euh, technique. Il, il a beaucoup euh, fréquenté des gens comme Guido Magnon, par exemple, avec qui il a été aussi au, au Chakra-Rarou, choisi par Lionel terret aussi, hein, pour filmer au Chakra-Rarou. Donc, c'est un cadreur qui engage. Euh, et l'engagement peut être un engagement euh, total. Et, et il part véritablement aussi, je dirais, à l'aventure, parce qu'il ne sait pas toujours... Euh, Évidemment, euh, ce qui va lui être demandé, l'approche de Lannanda Devi, vous allez le voir dans le film, elle est très complexe, elle est euh, très difficile. Euh, rien n'est rien n'est gagné d'avance, quoi. C'est déjà il y a déjà de l'alpinisme avant d'arriver au camp de base. On va trouver souvent aussi Langpin dans du conseil technique pour euh, des films qui se passent en montagne. Donc on a quelqu'un qui est véritablement euh, très très complet. Bon, faut pas oublier que quand il démarre, ce sont des hommes jeunes. Hein. Euh, quand il fait Terre de glace, par exemple, euh, il est né en 1924, il fait Terre de glace, il a 26 ans, hein. euh, 25 même. Et euh, ce qui va le lancer, d'ailleurs, c'est le fait que son court métrage Terre de glace va être diffusé en même temps que euh, Jour de fête de Jacques Tati, qui a un immense succès. Donc, euh, il va déjà être connu euh, comme euh, un peu euh, cinéaste d'expédition, en quelque sorte. Ce qui est très drôle, c'est la façon dont il reçoit l'invitation pour euh, aller à la Nanda Devi. En fait, à ce moment-là, il est au Groenland. Il est avec l'équipe Paul-Émile Victor. Et on sait que ce sont des expéditions très énormes. Hein, 90 tonnes de matériel arrivées par bateau. 70 tonnes de matériel parachuté et c'est pour ça d'ailleurs en fait qu'on voit une grosse différence de qualité euh, d'image aussi hein, entre terre de glace et à l'assaut de l'Himalaya. parce que euh, le matériel est beaucoup plus lourd euh, euh, et y a, alors qu'on a très souvent des images qui sont des images gonflées en fait euh, dans, à, à l'assaut de l'Himalaya, il faut que le matériel soit beaucoup plus léger. Euh, les expéditions sont plus légères, elles ont aussi moins d'argent. La manière dont il a invité est formidable. Il est au Groenland, au milieu du Groenland. Là, il y a un parachutage dans lequel il y a son courrier. Et dans son courrier, il y a une lettre de Dupla qui lui dit bah voilà, pour la Napurna l'année dernière, on était tous les deux remplaçants. Et eh bien cette année, c'est nous qui sommes devant pour aller à la Nanda Devi. Il nous explique. Que, qu'après avoir reçu donc cette fameuse lettre de Duplat qui lui est parachutée, euh, il en conclut la chose suivante. Une aventure était terminée, une autre allait commencer. Ah Je n'aime guère ce mot d'aventure. Un de ces mots qui ont mal tourné. Mais quel autre choisir Bien sûr, il part à l'aventure, hein ça va de soi. Bon, ces aventuriers, quand même, euh, alpinistes de cette période, hein, de cette époque, ont un côté, je ne dirais pas Nietzschéen, mais quand même un peu jusque-boutiste. Ils, ils sont prêts à aller très très loin, euh, véritablement dans un engagement. Bon, C'est aussi euh, l'effet d'après-guerre, hein, évidemment. Euh, euh, il y a une fierté nationale hein, qui est imprimée. Euh, en chacun. Et dans le chapitre 13, qui est le dernier chapitre, les dernières pages d'Himalaya Passion Cruelle, il a tenu à nous mettre un poème écrit par son copain Roger Duplat, un poème que Roger Duplat a écrit évidemment avant de partir à l'Ananda Devi. Je voudrais vous le dire Si un jour je meurs en montagne, c'est à toi, mon vieux camarade de cordée, que j'adresse ce testament. Va voir ma mère, et dis-lui que je suis mort heureux, que je n'ai pu souffrir puisque j'étais près d'elle. Dis à mon père que j'étais un homme. Dis à mon frère que c'est à lui que je passe maintenant le relais. Dis à ma femme que je lui souhaite de vivre sans moi comme j'ai vécu sans elle. À mes fils, qu'ils retrouveront les traces de mes ongles. Dans le granit des étançons, et toi, mon compagnon, prends mon piolet. Je ne veux pas que lui meure de honte. Emmène-le dans quelques belles faces et cale-le là sur un petit cairn que tu auras fait rien que pour lui. Loin du passage des foules, dresse-le pour qu'il soit l'aurore triomphante sur le glacier et le coucher sanglant derrière la crête et pour toi voici mon cadeau prends mon marteau et que tes coups dans le protogyne secouent mon cadavre de frisson de volupté fais tant de bruit dans la paroi et sur la crête va car je serai avec toi